وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. Dans quel cas aussi les ablutions sèches sont permises? Donc, quand la personne ne trouve pas d'eau, ou bien qu'il est dans un état qui est comme celui qui n'a pas d'eau, c'est-à-dire qu'il a de l'eau, mais il ne peut pas l'utiliser. Le fait d'utiliser l'eau, ça peut être dangereux pour sa vie ou pour sa santé. Comme c'est arrivé au temps du prophète alayhi salam. Donc, dans ce cas-là, la personne, il lui sera autorisé de faire les ablutions sèches. Si par exemple, il a une maladie et que le fait de faire les ablutions, ça peut empirer ou retarder la guérison, alors il fera les ablutions sèches. Si par contre, il peut utiliser de l'eau chaude et se sécher et qu'il ne pense pas que ça va empirer sa maladie ni retarder sa guérison, il devra utiliser l'eau chaude. C'est à lui de voir, c'est à lui d'estimer cela. S'il estime que c'est dangereux pour lui ou bien ça peut retarder, ce n'est pas seulement le danger, même si ça peut retarder la guérison, alors il n'utilisera pas l'eau, il utilisera le tayammum. Il fera le tayammum. Wadih. Amma, ce qui est rapporté par certains savants d'unir entre le wudu et le tayammum, hadha da'if. Ça, il n'y a pas de preuve sahiha sur cela. Une personne, ou bien elle peut faire le wudu, ou bien si elle ne peut pas faire le wudu, elle fait tayammum. Amma, s'il y a des parties du corps qui sont blessées, dans ce cas-là, il lavera toutes les parties qui sont saines et il ne touchera pas, il n'aura pas l'obligation de laver la partie qui est blessée et ça suffira. Car Allah Ta'ala a dit, fattakullaha mastata'tum, craignez Allah tant que vous pouvez. Et ça, il ne peut pas. Par exemple, s'il a un pansement à la main, ou il a un pansement sur une partie de sa tête, ou il a un pansement ou un plâtre sur son pied, alors il lavera toutes les parties obligatoires à laver et il ne sera pas obligé les parties qui sont couvertes par le pansement. Certains savants ont dit qu'il devra faire le mesh. Il devra effleurer le contour du pansement en entier, pas comme pour le khouf. La khouf, il faut juste le haut. Mais pour le jabira, ils disent qu'il faut effleurer tout le pansement. Et certains d'autres voient qu'il n'y a aucun dalil, aucune preuve qui donne l'obligation de faire le mesh sur le jabira. Les hadiths qui sont rapportés dans cela, ils sont faibles. Quoi qu'il en soit, celui qui veut la sécurité, par sécurité, il veut passer sur le pansement, khurujan min al-khilaf, pour sortir de la divergence des savants, il le fait, sauf si, aussi que si l'eau elle touche le pansement, même en effleurant, ça peut être dangereux, dans ce cas, il ne le fait pas. Il lui suffira de laver les parties qui sont dénudées, et il laissera la partie qui est couverte du pansement, et il prie comme cela. Il n'a pas besoin de faire tayammum avec. Bien que certaines fatawas disent ça, mais as-sahih, c'est qu'il n'a pas besoin. Wadih, inshallah. وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا.